Frère, monsieur, bonjour, son plaisir pour nous capables ensemble avec vous matin qui c'est mardi 7 novembre pour nous capables ensemble étudier le son école sabbat. Juste avant de commencer, nous invitons vous à baisser tête pour nous capables prier. Éternel Dieu, roi des rois, seigneur des seigneurs, merci pour grâce, merci pour l'amour, merci papa pour nouvelle journée ça qu'on accordé nous. Alors que nous allons étudier parole, nous demandons pour capable pardonner péché nous, pardonner faute nous, nous demandons pour capable imprégner nous de cet esprit. De manière à ce que nous puissions comprendre et mettre en pratique tout ça qu'on voulait enseigner nous matin. Avec nous dirigez nous, nous ne sommes pas dignes, mais si nous prions, c'est le nom petit tout Jésus qui vit qui est un secret siècle. Amen. Bienvenue encore une fois, chers frères et sœurs. Jeudi, c'est mardi 7 novembre. Et titre leçon, c'est l'attente et la mission. L'attente et la mission. Eh bien, pour ce maintenant, nous avons étudié sixième leçon. Hein? Sixième leçon qui est pour titre motivation et préparation pour la mission. C'est-à-dire nous voyons que prêcher l'évangile, l'imander motivation, l'imander préparation. C'est-à-dire faut que nous préparer nous et faut que nous motiver. Eh bien, on nous regarde qui ça, il dit dans le son hein, pour matin. Hein? Eh bien, nous voyons que Luc 24, il finit par l'ascension de Jésus au ciel. C'est-à-dire fin Luc 24, c'est Jésus qui monte dans le ciel. Ou capable lire Luc 24 verset 50 à 53. Mais et Luc 24 50 à 53 c'est pas la fin de l'histoire parce que l'auteur qui c'est Luc il continue à travers et le livre des Actes. Ça dit que c'est Luc tout qui écrit le livre des Actes. Et ben nous juste avant la montée de Jésus au ciel, il était bail disciples une mission, une promesse et des instructions immédiat pour être capable de tendre à Jérusalem la puissance d'en haut. Nous capable lire dans Luc 24 verset 49. Si nous lisons rapidement pour vous, Napoléon lui dit comme ça, et voici j'enverrai sur vous ce que mon père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Eh bien nous voyons que disciples y ont gagné priorité à Jérusalem, Jésus t'a demandé pour rester à Jérusalem de manière à ce que promesse que bon Dieu t'a voué le Saint-Esprit descende sur yo et capable venir en réalité. Eh bien c'est cet accomplissement de la promesse du Saint-Esprit qui t'a pral baillé le pouvoir pour capable d'être témoin à Jérusalem, en Judée et en Samarie et au-delà de la terre. Et bien, demandez-nous pour nous lire acte 1 verset 12 à 26. Yo dit nous qui ça nous wè disciple t'a fait et combien moun que t'ayé et qui ça que t'a fait pendant que t'a tonne. En nous lire ensemble, peut-être nous pas lire tout texte mais ou même ou capable lire tout texte la caillou et c'est du verset 1 acte 1 et disons acte 1er le chapitre 1er verset 12 à 26. Donc c'est dans le livre des actes. OK. Côté que nous appelons ensemble. Je dis nous acte 1er verset 12 alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. Nous voyons que c'est là que et Jésus était à regarder Jésus qui a monté au ciel. Qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Je dis nous, on a continué dit tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ça va nous y une idée de qui ça que eux-mêmes y ont été fait dans la chambre haute. Eh bien, Jésus t'a donné aux disciples une mission claire. Y ont gagné pour capable servir de témoin. Ça le dit, y ont dû témoigner à travers le monde. Yo t'a commencé à Jérusalem, yo t'a allé en Judée, yo t'a allé en Samarie, mais yo t'a allé tout côté sur la terre.
Eh bien, alors que yo t'ap tann, eh bien, yo t'ai préparé mission de deux manières. Premièrement, Luc dit nous que yo t'ai continué ensemble dans la prière et les supplications. Yo dit nous, il n'y avait aucun doute dans leur esprit et sur la mission que Jésus leur avait donnée. Eh bien, il n'y a pas de aucun doute de mission que t'ai gain pour yo accomplir. OK? Et yo t'ai accepté mission ça. Mais nous tout ça t'a inspiré pour capable unir dans la prière. Luc pas partager avec nous raison qui fait yo t'a prié. OK? Et mais nous capable certain que prière ouais c'était pour être capable gagner la sagesse, la force, le courage pour capable accomplir mission ensemble. Chers frères et sœurs, nous avons une mission pour nous accomplir, mais tout nous avons pour nous faire ensemble. Ça veut dire l'église là, il doit prêcher l'évangile d'un commun accord. Pas doit gagner une différence dans ça nous a prêché, dans ça nous a enseigné, doit gagner un seul l'évangile. Donc ça sont exemples pour nous, sont exemples pour nous-mêmes tout. Là nous gagnons une mission pour nous accomplir pour bon Dieu, faut nous capable prier, faut nous capable faire des supplications de manière à ce que ça capable marcher, j'en dois marcher. Je dis nous deuxième bagage que tu as fait pendant que tu as tenu l'effusion de cet esprit dans la chambre haute, eh bien on dit nous, tu as préparé logistiquement pour la mission. Ça veut dire que la mission lui demande prière, mais tout lui demande en préparation matériel, une préparation logistique. Eh bien, Judas était fin livrer Jésus pour être capable d'exécuter. Nous voyons que ensuite il était tué tête li. Eh bien, ça a quitté un poste vide parmi les 12. Alors, c'est moment ça que les disciples ont planifié, ont dit, ok, nous devons remplacer Judas. Eh bien, par yon l'autre moun. Eh bien, nous voyons que disciples yon tap organisé et planifié commencement mission yon. Eh bien, à travers prise de décision, nous voyons que Pierre li te joué yon rôle de leadership. Pas gen moun qui te conteste décision. Pas gen moun qui te dit, ça Pierre gen là, est-ce qu'il pense que c'est lui-même qui pi konne? Chers frères et sœurs, souvent nous voyons ça dans l'église. Depuis yon moun li pour initiative pour li diriger, yon geta dit que moun ça, c'est et comme te dit ça c'est prétentieux moun ça c'est qu'on elle pense il connaît alors que nous est que les pierres lui même t'est senti la pousser et il t'est gon pousser pour lui et prendre leadership là et mais qui ça le fait pas un monde qui t'est contesté ça ça veut dire que des fois là un monde lui prend le devant et faut nous prier ou bien entendu là nous gain monde qui doit vle font bagaille et si nous avons gagné des comme des cadeaux ça nous avons gagné des motivations humaines mais si nous a prié nous dit bon Dieu nous pral prêcher nous besoin susciter des leaders parmi nous c'est sûr et certain nous après gagner monde qui lever qui dit oui mais même moi prêt ça veut dire que si nous a prié tout bon nous pas de gain problème pour monde qui décide de jouer un rôle parce que ça qui passait eh bien depuis que c'est nous à prier bon Dieu et bien bon Dieu l'a suscité des mondes donc faut nous pas souvent dit que et depuis nous à monde lui proposer tête lui que c'est un problème et puis tout et nous voit que dans l'église adventiste et monde pas vraiment proposer tête yo dans question proposition n'a parlé à c'est peut-être dans cadre yon petit groupe yon travail que école ça ba ta remé fait nous gnou a dit comme ça qu'est-ce moun qui ta remé responsable tel et poste pour classe là parce que nous connaît classe yo doit constituer un petit groupe mais nous de manière générale et dans question poste église c'est surtout des propositions que et yo fait à travers la petite commission et la grande commission qui permettent que on va venir avec les leaders pour l'année ecclésiale. Et là encore, nous voyons que et souvent on a pensé avec un monde et puis plusieurs monde pensent avec même monde. Ça veut dire chers frères et sœurs et
ça pour nous doit retenir, c'est que les pierres, les mêmes, ils prennent le devant. Pas de monde qui t'a contesté la décision là, parce que puisque tout a pris ensemble, ils ont accepté que c'est bon Dieu par la poussée du Saint-Esprit que Pierre, les mêmes, ils ont accepté. Eh bien, Pierre, il était joué un rôle de leadership, hein, et tout le monde était, ouais, sagesse, la Kylie. Yo, tout était, ouais, la sagesse de Dieu à travers Pierre. Donc, yo te comprenne et yo te quoi que bon Dieu t'a agi et œuvré dans mi temps yo. Frèm sèm, leur accepter ou reconnaître que bon Dieu a agi dans mi temps frère, dans mi temps l'église, pas gen place pour jalousie, pas gen place pour et moun ki a dit comme ça, ah, et tel est pas qualifié, et tel pas qu'on parler, et tel gen bouche surette, et tel est pas qu'on fait, pas qu'on exprimer le bien, pas gen place pour bagay ça yo. Chers frères et sœurs, nous surtout besoin pour nous prier d'un commun accord. C'est ça qui fait que les pral gen nomination dans l'église, qui ça ne fait, nous devons prier. Les membres, ils doivent prier de manière à ce que l'Esprit de Dieu lui-même, il permette que les choix qui fait, c'est des choix qui viennent d'en haut, chers frères et sœurs. Je dis, nous, en attendant l'effusion du Saint-Esprit pour nous aider à accomplir le grand mandat divin, nous devons nous unir pour nous encourager les uns les autres. Selon Hébreux 10, versets 24 et 25. Donc, nous devons aligner nous-mêmes avec l'Église, nous sous priorité et que bon Dieu bat nous pour nous sauver les perdus. Chers frères et sœurs, bat nous deux façons que l'Église primitive lui-même t'a préparé pour la mission. C'est premièrement à travers la prière, deuxièmement c'est à travers et la préparation logistique. Chers frères et sœurs, prêcher l'évangile, l'imander temps, l'imander l'argent, l'imander savoir-faire. Grâce à Dieu, dans l'église, il y a toutes ressources. Par contre, l'église va passer pour pas joindre toutes les ressources qu'il faut. Ou à jeune moun, ou à jeune médecin, quand même. Ou à jeune avocat, ou à jeune, m'bakone, ou à jeune bon, boss maçon, ou à jeune bon boss chapeau. C'est-à-dire, et ou besoin tout moun ko besoin, chers frères et sœurs. C'est ça qui fait l'église en son communauté. Là bon Dieu bon talent, bon Dieu bon capacité, pas peur mettez à la disposition de l'évangile, parce que c'est bon Dieu même qui met là pour capable un témoignage pour son œuvre, pour l'avancement de sa mission. Pas quitter égoïste prend pour dire comme ça, ah, depuis c'est tel qui dans comité a, mais même moi pas la donne. Depuis c'est tel qui chef, même moi pas la donne. Chers frères et sœurs, quittez l'esprit de Dieu utilisé, parce que quand t'as sauvé, faut sauver et faut sauver avec des étoiles dans couronne. Pour finir, je pose une question, je dis comment pouvez-vous apprendre à vous en remettre au Seigneur et à ne pas perdre la foi pendant l'attente? Qui j'en pour apprendre pour compter sous bon Dieu? Le wap ton pour pas perdre la foi. Chers frères et sœurs, il y a des périodes obligées de ton. Il y a des périodes à faut agir. Eh bien, là, on a une période pour ton, il faut courir et remettre à Dieu pour pas perdre la foi. Je dis, nous, au même moment, pendant l'attente, comment pouvez-vous utiliser au mieux votre temps comme l'avaient fait les disciples? Le wap ton, qui ça vous fait, vous devez prier et logistiquement, vous devez préparer, aux chers frères et sœurs. Eh bien, je n'ai jamais dit à nous un bel exemple de préparation de la mission à travers l'Église primitive. C'est comme ça que nous présentons le son en matin. Nous invitons à baisser tête pour nous capables de prier. Éternel Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs, merci Seigneur Dieu pour cette leçon, pour cette leçon sur comment nous préparer pour la mission, Seigneur. Aidez-nous pour nous capables de prier et tout pour nous capables de préparer nous logistiquement de manière à ce que la mission capable y réussisse. Seigneur Dieu, des fois dans la vie nous, il y a des périodes d'attente, il y a des périodes faut nous tenons parce que nous pas depuis pressé passer et de nous comprendre que dans période d'attente yo pour nous capables qu'embé ferme dans la foi. Seigneur Dieu, bénis chaque grain de monde qui t'est étudiant ça avec nous matin, chaque grain de monde qui t'est présent matin.
que nous avons fini nous capable bénir Seigneur Dieu, bénir ministère, parce que nous chaque nous appelé pour nous capable exercer un ministère Seigneur, pour nous capable exercer un ministère à travers comportement nous, à travers feuillet nous bail, à travers prédication que nous a fait. Mais Seigneur Dieu, merci pour les dons qu'on bail à l'église, ou que chaque fois et sur matin capable bénir grandement de toutes sortes de bénédictions avec nous diriger nous nous babon pas dit merci pour ce nom petit tout Jésus qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Merci et merci encore une fois. Nous invitons pour partager le son ça de manière à ce que l'autre monde tout capable toucher le message ça. C'était Frère Ismaël Chéri. Que bon Dieu bénisse.